En 2013, j'ai assisté à deux naissances, celle de mon fils et celle d'i24 News que j'ai rejoint au tout début de l'aventure. Alors bien sûr, en 10 ans, il s'est passé énormément de choses en Israël et au Moyen-Orient. Mais si je devais retenir qu'un seul souvenir marquant de ma carrière de journaliste, eh bien ce serait cette interview exclusive que j'ai réussi à décrocher avec Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, le jour même où Israël et le Maroc signaient à Rabat les accords d'Abraham. Nasser Bourita, merci d'abord de nous accueillir et d'avoir choisi i24 News. On est en décembre 2020. Comme à son habitude, Donald Trump annonce le deal sur les réseaux. Et quelques semaines plus tard, un avion va décoller de Tel Aviv, destination Rabat. À son bord du beau monde, Jared Kushner, Avi Berkovitch et le conseiller à la sécurité nationale israélien, Meir Ben Shabbat. Là, je me jure de rentrer à la rédaction avec l'interview du ministre. Qu'à cela ne tienne, j'active mes réseaux et là, banco, le ministre donne son accord. Et puis voilà que les heures défilent, on est à l'hôtel, à Rabat, une heure seulement avant de décoller pour Tel Aviv, et le ministre ne donne plus aucun signe de vie. Alors je commence à désespérer, évidemment, et puis là, soudain, qui je vois débarquer, entrer dans le lobby de l'hôtel, eh bien le ministre, en personne, me fait signe de la tête pour me demander de le suivre, et en toute décontraction, il va prendre le volant de son véhicule et nous conduire jusqu'à son bureau, au ministère des Affaires étrangères marocain, où va se dérouler une longue interview de plus d'un quart d'heure. Le modèle marocain a inspiré les efforts de paix du Maroc. Et c'est durant cette interview que le ministre va me révéler qu'en 2018, soit 2 ans avant les accords d'Abraham, eh bien, il a rencontré Benjamin Netanyahou. C'était en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est une énorme fierté d'avoir pu interviewer le ministre le jour même des accords d'Abraham. Être au bon endroit, au bon moment, c'est aussi ça, la force d'i24 News.